Élysion, un endroit où seuls les élus des dieux, après leur mort, sont autorisés à se rendre. Il existe une utopie, une terre sans fin. Puis après, je sais plus. Non, je rigole, mais j'ai essayé de vous faire l'entièreté du résumé des débuts des épisodes, vous voyez, de l'animé quand ils sont à Élysion. Mais je me dis, je vais faire ça au début de la vidéo YouTube, comme ça sonne bien, il y a un peu de style et tout. Mais c'est beaucoup trop long en fait. Donc, je vous mets dans l'espace commentaire. Le lien pour aller voir un long épisode en français, bien sûr, de Elysion. Et au début, on a le résumé. Je viens d'aller le voir avant de commencer à tourner cette vidéo, mais il est trop long. Donc, pour vous le sortir en entier par cœur, de tête, au début de la vidéo, c'était trop long. Mais voilà, je vous ai déjà fait un petit truc là, c'était déjà pas mal. Enfin bref, arrêtons de nous jeter des fleurs. Salut à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique. Saint Seiya Cosmo Fantasy, que je considère comme la légende des chevaliers. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu. Je vous repose la question, je l'ai déjà posée quelques fois. Et en général, il y a presque personne qui me répond, donc je pense que je vais la poser encore pendant un petit moment. Dans une cote de 1 à 10, même de 0 à 10, quelle cote est-ce que vous mettriez sur ce jeu, quoi? Moi, je mets 8, 8,5 minimum. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous, que vous avez la pêche, que ça se passe un minimum bien dans votre vie. Bien sûr que vous n'avez pas le coronavirus. Je veux pas être pompeux, mais j'espère pour vous que vous ne l'avez pas, quoi. Je sais bien qu'on en parle déjà assez. Moi, je ne l'ai pas. Pour ma part, ça va bien. Je suis de bonne humeur, comme généralement. On va être parti, les amis, pour cette nouvelle vidéo sur SSCF. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Sur toutes mes vidéos, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, votre opinion détaillée sur est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai bien réalisé la vidéo, les montages, etc. C'est pas interdit. Et bien sûr, il y a la place aussi au négatif, mais ça, il faut argumenter. Ça n'arrive que rarement, mais je veux dire, les gens qui mettent des commentaires négatifs, par exemple, vidéo nulle, ou des trucs comme ça, mais sans explication ni rien, ça, j'efface directement. On va aller dans la shop pour tout dévaliser comme souvent. Et des fois j'ai des petites pièces uniques comme ça de Godquane. J'en ai une, des fois parfois deux, trois au début de vidéo. Enfin quand j'arrive sur le jeu, je sais pas d'où elles viennent pas du legend bonus. Elles viennent pas des bonus de connexion derrière. Je sais pas d'où ça vient, des fois il y en a qui tombent du ciel, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez une idée de où est-ce que ça pourrait venir. Peut-être d'invocation où j'ai oublié que j'en avais gagné, où j'ai pas été les échanger. Je ne sais pas. Bon, ici on a 196 Arena Quain. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous avez remarqué, on vient tout juste d'arriver à Elysion. On est arrivé à Elysion, d'ailleurs, le titre l'indique, dans la dernière vidéo. Dernière vidéo, du coup, je vous la mets dans la fiche, dans le i, dans le petit i, quoi, en haut à droite de l'écran. La vidéo qui s'intitule Enfin arrivé à Elysion, voilà. Si jamais si vous êtes intéressé, on va aller dans Gacha comme souvent. On va faire nos deux single invocations. Et il me semblait que je voulais vous dire qu'il y a un truc, les amis. Bah, je ne sais plus. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un, vous ne me connaissez pas personnellement. Comme vous entendez juste ma voix, vous avez déjà regardé des vidéos et tout, mais... Moi, je suis quelqu'un qui est les pensées en arborescence. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. Les pensées en arborescence, c'est quand une pensée, comme tel un arbre, une pensée en entraîne plein d'autres. Donc, par exemple, un arbre... Il y a une grosse branche, ben il y a plein de petites branches, après il y a des feuilles et tout. Ouais, je sais pas, je suis sûr qu'il y a à peu près la moitié d'entre vous qui vous attendiez pas, et des petites explications comme ça, mais... Je veux dire, il y a quand même pas mal de gens qui ont des pensées comme ça. Pensées en arborescence, du coup, on a une idée, et une idée nous en donne 5, 10, voire même beaucoup plus. Moi je suis un peu comme ça depuis déjà très longtemps. Enfin, je crois que c'est de naissance ces trucs-là. Ben, manifestez-vous en commentaire si vous pensez vous aussi avoir la pensée en arborescence. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec Saint Seiya. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que dans mes vidéos j'ai tendance à de temps à autre oublier ce que je voulais vous dire, que je le dise ou non. Là je vous l'ai dit, cette fois j'ai été honnête. Et ça c'est dû à la pensée en arborescence. Il y a tellement d'idées qui me viennent en tête que je ne sais pas exactement laquelle choisir. J'en mets certaines de côté, on va dire. Et après je les oublie tellement il y en a, donc c'est normal. Et voilà, on récupère petite récompense comme ça. Récompense de mission quotidienne, ça fait toujours bien plaisir. Et les amis, on a pu voir, et ça continue toujours un petit peu,
Surtout pendant la période de ce 5e anniversary, update qui arrivait il y a quelques semaines, que si on arrivait tous les jours sur le jeu, ben on avait en tout 4 fois 180 stamina, donc 4 fois 180 flammes bleues de cosmos. Donc tous les jours on avait ça, donc on n'avait pas besoin d'acheter forcément des pommes d'or, même si c'est bien pour les réserves, pour après surtout. Moi j'avais ça tous les jours pour ma part, j'espère que vous voyez de quoi je parle, que dans les missions quotidiennes, je sais pas, j'avais ça tous les jours moi, j'avais donc 180 fois 4. Celui qui arrive pas à calculer là. Donc attendez, 200 fois 4 ça fait 800. Donc ça fait, voilà, j'avais quand même 720 flammes bleues de cosmos par jour, gratuite en général. Donc je sais pas, elle tombait du ciel, c'était grâce à l'anniversaire, c'est cool. Ok, donc les amis, on va sans plus tarder se lancer de la suite, donc de la deuxième partie de ce chapitre 28 dédié à Elysion. J'espère vraiment que ce gameplay-ci jusqu'à maintenant vous plaît, les amis. N'hésitez pas à donner votre avis. Allez, let's go! À chaque fois que j'arrive sur ce menu, je me dis, il faut à tout prix que je débloque la partie Side Stories 1, c'est-à-dire Asgard. Donc, vous voyez, il fait écrit Side Stories dans le cercle là. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres Side Stories, les amis, c'est presque certain. Voilà, d'ailleurs, il y a encore la place là, largement, pour mettre un carré jaune à droite pour une seconde Side Stories. Mais je trouve ça un peu bizarre que Side Stories, ils mettent un S. Donc, c'est l'histoire sur le côté, en quelque sorte. Donc, Asgard, c'est une histoire en entier, quoi. Donc, je trouve ça un peu incohérent qu'ils mettent un S, mais bon, c'est un détail. Vraiment, les amis, ceux qui adorent l'animé de Senseiya, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Je préfère vraiment vous le rappeler. Bon, alors, on s'en fout du résumé. Vous l'avez déjà un peu vu pour ceux qui regardaient la dernière vidéo. Donc, voilà, je disais, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans l'espace commentaire. Cette vidéo-là, elle pourrait vraiment plaire à certaines personnes. Voilà, mais bien sûr, c'est pas moi qui l'ai tourné. J'ai pas envie d'avoir des problèmes et de mettre sur ma propre chaîne YouTube des vidéos de Senseiya comme je l'ai fait avant. Mon ancienne chaîne YouTube qui s'est fait supprimer. Enfin bref, j'en avais déjà un peu parlé dans le dernier épisode. J'ai pas envie de me réétaler là-dessus. Voilà, s'il y a des gens qui font sur leur chaîne YouTube des vidéos de manga, peu importe qu'ils soient Senseiya, Naruto, One Piece, des trucs comme ça, vous connaissez pour la plupart. Ben voilà, ils ont le risque de prendre un strike, deux strikes, trois, voire plus après que leur chaîne soit supprimée. Ben voilà, bref, moi je suis content des gens qui font ça, je suis satisfait. Mais voilà, on est tous contents qu'il y ait des gens comme ça qui prennent le risque que leur chaîne soit supprimée. Comme ça, ils nous apportent du plaisir. Donc voilà, c'est pas ma chaîne, c'est sur cette vidéo-là. Cette vidéo-là est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Du coup, je lui fais de la pub. Cette personne ne regarde sûrement pas cette vidéo aussi. Et elle ne la regardera sûrement jamais. Donc. Alors, on est arrivé au sixième niveau, je crois, des chapitres 28. Je sais bien qu'il fait écrit 28-2, mais des 28-2, il y en a plusieurs, quoi. C'est en plusieurs parties. Donc. The one he was looking for. Le seul qui est en train de chercher. Le titre, normalement, c'est ça, mais je peux pas en être sûr. Alors, on a carrément une pierre d'Elysion. Donc, l'esprit du choix, noir et jaune. Je pense qu'il y a tellement de sortes différentes. On était déjà tombé sur des brunes dans la dernière vidéo, des vertes et des blanches. Il y avait aussi des brunes et grises. Là, on a une bleue. Bon, les bleus, on commence à connaître. Donc là, ils sont rang or plus 3, 5 étoiles, niveau 106. On a un objet quand même, Ariashiki plus E, à gagner. J'en ai déjà énormément, mais bon, on va pas cracher dessus, ça peut toujours être intéressant. Bon, on est parti, les amis, avec ma meilleure équipe. C'est parti pour la fight. Très beau paysage à Elysion, je le répète, c'est mon paysage préféré. Donc là, les petites pierres d'Elysion, là, ça se met, elles sont globalement plus puissantes que celles qu'on a affrontées dans le dernier gameplay. On espère que non. Voilà, bon, c'est passé sans problème. Mais quelqu'un m'a dit, il y a vraiment pas longtemps, qu'il y aurait les doubles murs là. Enfin, qu'il y aurait les doubles barrières et que ça me poserait problème, ça. Donc. Ça, on va vraiment voir. Si on va les avoir, ben, on va les avoir, c'est sûr, quoi. Mais si on va voir si elles vont me causer des problèmes ou non. Bon, je pense que mon équipe est assez puissante et aussi assez mixte. Pour savoir ne pas avoir de problème contre les doubles barrières. Donc les amis, les doubles barrières, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est les barrières carrées jaunes et les barrières rondes vertes bleues là. On voit encore aucune de ces deux barrières ici, mais apparemment elles seront là. Donc je pense que c'est les pierres qui auront ces barrières là. Ça me paraît logique. Peut-être que Thanatos et Hypnos, à un moment ils ont ces barrières, mais c'est plus les pierres, je pense. J'ai dit des peut-être parce que voilà, je suis pas sûr. Hein.
Du coup, ne prenez pas pour des fêtes la plupart des trucs que je dis, quoi. Je fais des vidéos pour le fun, je vous le rappelle. Du coup, mes vidéos, elles sont pas là pour vous donner plein de destructions, des conseils, de la pratique. Vraiment pour rigoler, quoi. Pour s'amuser. Donc, perfect, on l'a pas eu trop difficilement, celui-là. Allez, continuons. Vous avez vu le titre de la vidéo? Bah forcément, on va pas cliquer sur une vidéo YouTube sans voir, sans lire le titre un tant soit peu. Ça arrive rarement à mon avis. Vous avez vu le titre de la vidéo, je disais. Thanatos, le dieu de la mort. Déjà ici, on va déjà commencer à l'affronter. On va l'affronter encore à une ou deux reprises après celle-ci. Still, things, I gotta to do and people, I gotta see. Oula! Ce titre-là, je vais pas vous cacher que j'ai un peu du mal à traduire tellement il est long. Je dis pas forcément que les mots sont compliqués, mais il y a des suites de mots qui m'échappent un peu. Donc le titre, si quelqu'un sait me dire un peu ce qui signifie, ben voilà, je vous oblige pas comme il est long. Je pense que ça peut peut-être vous déranger. Alors, bon, ici, on a encore des pierres d'une autre sorte. Donc on a les blanches. Ça, peut-être qu'on les avait déjà rencontrées. Les blanches, je suis pas très fan, mais c'est juste pour la couleur. Hein. Moi, je joue juste sur la couleur dans les jeux vidéo parfois. Les bleus, ouais, les bleus, c'est joli. Pour l'instant, c'est mes préférés, les bleus. Et là, on a des rouges et grises, on n'avait encore jamais rencontré celles-là. Alors, est-ce qu'elles sont plus puissantes que toutes celles qu'on a affrontées? Et là, on a le petit Thanatos. Je dis petit parce qu'on va l'écraser. Mais sinon, oh Dieu, bien sûr que ce n'est pas petit. Et si vous voulez sa taille, parce que moi j'ai des mid-close, donc vous savez ce que c'est normalement les mid-close, donc c'est les figurines en morceaux de plastique et en morceaux de métal de Senseiya. Et j'ai la petite notice de ma figurine. La figurine est juste à ma droite pendant que je fais cette vidéo. Donc je vous mets un peu une photo de ma figurine, c'est vraiment une photo que j'ai prise. Et donc cette figurine-là, la notice qu'il y a derrière, eh ben, il fait écrit que ce personnage, donc Thanatos, mesure 1,92 m pour être précis. Donc non seulement il est pas petit, mais il est doublement pas petit quoi, il est ultra puissant et il est grand en taille. Enfin bref les amis, allons-y. On pourrait se poser une question pertinente. Pourquoi est-ce qu'une pierre de deux couleurs serait considérablement plus puissante qu'une pierre d'une seule couleur. Là, maintenant, je vais vous ressortir la théorie que je vous avais sortie de la dernière vidéo. Admettons qu'une pierre ait une spécificité selon sa couleur. Si elle a deux couleurs, elle a alors deux spécificités. Et comme une spécificité équivaut à un certain niveau de puissance, ben, deux spécificités, deux couleurs correspondent à deux puissances. Donc, 1 plus 1 ça fait 2, même si c'est pas exactement ça l'explication. Du coup, une pierre de deux couleurs, pour moi, c'est tout à fait logique qu'elle soit au moins un peu plus puissante qu'une pierre d'une seule couleur. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, c'est une pure spéculation. Je peux rien affirmer, je peux pas être certain. Il y a plein de fois, les amis, dans les vidéos, je dis je pense, je crois, c'est mon avis. N'en soyez pas certain, donc vraiment dans ces cas-là, faut pas être sûr de ce que je dis. Mais généralement, j'essaie quand même de vous dire des trucs vrais, donc la plupart des trucs que je vous dis c'est vrai. Mais vraiment, quand je suis vraiment pas sûr, ben je vous le dis pas, ou alors je vous le dis mais rarement. Thanatos, God of Death. No more playing around, it's time for me to finish you off. Pegasus Seiya. On dirait que c'est le Pegasus Seiya basique, mais c'est le Cosmo Burst. Il a rien à voir avec cet énorme trash qui est un des plus gros trash du jeu de Seiya VE. This is the true power of Pegasus. Ok, écrase-le. On va juste utiliser CB Pegasus. Il a juste enlevé un peu de vie, donc on va utiliser les autres. Kagao avec ses météorites. Ben voilà. Il est mort, explosé à terre, le petit Thanatos. Attendez, ces pierres blanches-là, c'est la toute première fois que les pierres d'Elysion nous résistent à ce point, les amis. Elle semblait être invincible l'espace de quelques secondes. Je sais pas si vous avez bien été attentifs. Elle n'arrêtait pas de les attaquer, elle restait avec leur barre de vie pleine. Je sais pas à quoi c'est dû ça, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait encore les doubles barrières. Perfect. Ok, on passe directement à la suite. Je vous dis, ça me fait bien plaisir de tourner des vidéos YouTube avec vous. Même si vous êtes pas présent au moment où je tourne la vidéo YouTube, vous m'avez compris. On parle en on pour dire qu'on est tous là à certains moments, quoi, pour mettre une certaine ambiance. Moi je vous dis, ça fait plaisir vraiment de tourner des vidéos YouTube. C'est une de mes passions, ouais. Et comme ça, il y a les commentaires, il y a plein de trucs comme ça qui font plaisir. Je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes YouTubeur, YouTubeuse, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Je sais pas si c'est une passion pour vous. Moi c'est une passion, donc
Il y a une époque où mes vidéos faisaient presque aucune vue, je continuais quand même parce que ça me faisait plaisir, quoi. C'est vraiment le fait de partager ce qu'on aime sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs qui fait bien plaisir. Je pense qu'on le conscientise pas beaucoup ça en général. On fait juste parce que ça nous amuse de se réfléchir parfois. Alors, ce niveau-ci se nomme A Precious Prayer. Donc, prayer, ce mot-là en anglais, je l'ai peut-être appris, mais en tout cas, je me souviens plus. Donc, un précieux, une précieuse prayer. Oula, ce mot-là, franchement, bref, c'est pas grave. Donc là, on a toujours les pierres bleues. Généralement, c'est les pierres bleues qui sont le plus souvent là. Elles sont là à presque tous les niveaux, je sais pas pourquoi. Et là, une pierre que je n'avais encore jamais affrontée. Les vertes et jaunes. Donc, je vous disais peut-être que celles des deux couleurs étaient plus puissantes. Donc, ça se met, il y a la réponse. Ça se voyait parce qu'il y a un petit résumé quand on clique sur les adversaires, que ce soit des objets ou des humains, des personnages. Et moi, j'ai pas envie de les lire. Ouais, voilà. Bon, bref, c'est parti pour le combat. Bon, regardons bien si les pierres vertes et blanches, vertes et jaunes plutôt, ne résistent plus que les bleues. Ah non, elles sont mortes en même temps. Du coup, peut-être que les pierres des deux couleurs ont à peu près la même puissance que les pierres d'une seule couleur. Je sais pas, les amis, voilà, c'était juste une théorie que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, nos trois chers confrères et les spectres attaquent ensemble, on va voir si ça va bien marcher. Ils ont une bonne synergie. Eh ouais, la réponse est oui. Enfin, normalement, parce que les pierres sont beaucoup, beaucoup moins puissantes que nous, en tout cas jusqu'à maintenant. Du coup, peut-être que juste Saurikido et Pegasus Seiya tout seul auraient pu les vaincre aussi. On va essayer maintenant d'ailleurs. Et voilà, Pegasus Seiya CV. Eh, mais Pegasus Seiya CV, il a comme une explosion de rage quand il se met en mode Cosmo Burst. Mais il fait pas tant de dégâts que ça. Je pense que les autres personnages CB seront considérablement plus puissants que lui. Là, on a déjà Gemini Saga CB en version Evil. Lui, c'est sûr qu'il est plus puissant que le Seiya. Nouveau perfect. Alors, on continue, les amis. Thanatos. Ah, ben, c'est le boss. Ça tombe bien, ça sera le dernier niveau qu'on va faire de cette vidéo. Dans cette vidéo, les amis, il y aura eu 4 niveaux. 4 niveaux, c'est un peu maigrichon, c'est un peu maigre comparé au nombre de niveaux qu'on fait d'habitude. Mais bon, ça se met comme ça. Je dis pas que j'ai parlé excessivement au début de vidéo. J'ai fait des efforts par rapport à il y a pas très longtemps où j'ai recommencé à prendre 10 minutes avant de me mettre dans le sujet principal. Je sais pas si ça a pu en déranger certains, j'espère que non. Voilà, je trouve que c'est mieux de commencer plus vite la vidéo. Et donc, cette vidéo-ci, elle a commencé assez vite, je veux dire, dans le sujet principal. Mais bon. Enfin, je sais pas, ça se met comme ça se met quoi. Il y a une vidéo où on fera 4 niveaux, il y a une autre où on en fera 6 ou 7, ça dépendra. Protect Seika, Protect Hope, protéger Seika, protéger l'espoir. Ah, ça, c'est le moment à Elysion où Thanatos apprenait que sa sœur était sur ce trace, donc sur les traces de Seiya. Donc Seika, c'est la sœur de Seiya, je pense que vous le savez pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo parce que vous connaissez l'univers de Senseiya. Donc Seika l'attendait sur Terre. Même que Thanatos de loin essayait de la foudroyer avec ses éclairs violets là. Enfin, je vais pas faire le résumé. Sinon la vidéo, enfin vous me connaissez, je suis capable de raconter une histoire de 10 minutes là. Voilà, donc c'est Seika, il fait allusion à la sœur de Seiya. Allons-y, the last level of this video. Oh, les murs des pierres d'Elysion commencent à arriver. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul type de mur, du coup, c'est pas du tout des doubles murs. Comme on a une équipe mixte, on a ceux qui percent ce genre de barrière, donc pas de problème. Je disais pas de problème, hein. On n'a pas de problème, ça va. Nous aussi, on a des barrières jaunes. Ben voilà, vous voyez, on n'a pas de problème, ça prend un peu plus de temps, mais pour moi, on peut pas dire que ce soit des problèmes véritables. Voilà, ça prend juste un peu plus de temps. Je trouve dans le jeu, c'est cool qu'il y ait des barrières, hein, quand même. S'il n'y en avait pas, peut-être qu'on battrait nos adversaires beaucoup trop souvent, trop rapidement. Et ça n'irait pas, ça. Moi, je dis, je vote pour qu'il y ait des barrières de temps à autre. Donc déjà, là, les barrières jaunes ne posent pas de problème, comme je disais, mais... Ça fait que le combat dure 2 fois plus longtemps. Mais bon, ça dure pas non plus 3 heures, donc ça va sans problème. Regardez, c'est encore plus vite qu'avant. Donc,
Je sais pas si après ce type de barrière-là, il y aura juste les rondes vertes là, l'autre type de barrière, ou s'il y aura directement les deux en même temps, on verra. On verra dans les prochaines vidéos, les amis. Soyez présents si vous êtes intéressés. Thanatos, God of 10, avec une barrière jaune devant lui en plus. Je pensais pas que des dieux utiliseraient la barrière jaune. C'est la première fois, les amis, qu'on a un boss comme ça, donc un boss isolé tout seul qui a déjà des barrières devant lui. Thanatos, God of 10. For his blasphemous actions against the gods, merely drawing and quartering Pegasus is insufficient. Celestial Noble Star Griffon Minos. Pour le coup, c'est un de ses valets qui lui répond en tant qu'adversaire. Du coup, c'est pas très logique. Enfin bref, je vais pas trop me relancer dans les trucs incohérents, c'est qu'un jeu, c'est pour le fun. Dance a dance of this. Il lui parle de mort en plus, alors que c'est le dieu de la mort. Bon, allez, puissance maximale contre cet adversaire. J'imagine quand ce niveau-là, ça fait déjà environ un an et demi, 2 ans qu'il est sorti, chapitre 28. Imaginez quand les personnages étaient beaucoup moins forts dans la méta. Ce personnage-là, vous preniez 3 heures à le vaincre. Je sais pas quoi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Quand est-ce que vous avez passé ce niveau, ce boss dans le mode histoire? Si c'était il y a au moins un an ou deux, ben vos personnages étaient beaucoup moins bons que ceux que j'ai actuellement, par exemple. Et du coup, peut-être que ça vous a pris plus de temps, je ne sais pas. Donc on a un objet Arashiki supplémentaire, ça fait toujours plaisir. J'en avais déjà 335 avant ça, mais bon. Bon, les amis, cette vidéo est presque terminée. Rassurez-vous, je vous laisse une petite surprise. Eh ouais, petite surprise, ça fait bien plaisir à la fin, histoire de terminer sur une bonne note. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, comme on dit, lâcher un like, ça fait vraiment plaisir, et à donner votre avis sur la vidéo. Vous vous êtes sûrement demandé, mais quelle est cette surprise? C'est tout simplement l'ouverture de bon nombre de boîtes. Il y a des Arashiki Box et d'autres types de boîtes, j'ai pas tout retenu. Il y a des Gold Equipment aussi. Donc je pense qu'on va encore gagner de l'argent. Là on va gagner des pièces Arashiki. Plus ça. J'en avais déjà plein, mais on va quand même les garder donc. Là on a des True Arashiki Box. Déjà nettement plus intéressant. 8 d'un coup. Et 1600 God Queen. Des pièces Arashiki plus 2. Ça y est, j'en avais plus beaucoup. Gold Equipment Box. Ça c'est... J'en ai déjà plein donc ça m'intéresse pas énormément, mais je prends quand même. Il y a des événements de temps à autre, on peut gagner des équipements de bronze, d'argent et d'or. Voilà. J'ai voulu cliquer dessus pour voir le nombre que j'avais déjà, mais... Bon, on n'arrivait pas comme ça à cliquer dessus. Quand on venait de les gagner. Alors, le Nectar Drink, c'est bien ça. Oh, les Ultimate Arashiki, donc... Arashiki plus 3. Donc, Ultimate, on peut croire que c'est les ultimes, les derniers, les plus hauts en termes de puissance, d'utilité, mais non. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a les pièces Arashiki plus 4 qui sont déjà arrivées. Donc j'en ai déjà, je vais essayer de vous les montrer. Hades EX. Donc pourquoi est-ce qu'il me donne un Hades EX, je ne sais pas. Enfin, il me donne pas le personnage, mais juste avec Cosmos. Intéressant cette boîte-là, je m'attendais pas à l'obtenir. Donc j'ai essayé de vous montrer, les amis. Bon, tout en bas, j'imagine. Nesty, j'arrive pas à appuyer tout en bas directement. Regardez un peu tous les types d'objets différents qu'il y a. Si ça se met, vous avez encore 26 fois plus d'objets que moi, là. Voilà, donc... Ah ben non. Bah non, erreur de ma part, je n'ai pas encore de pièces Arashiki... Arashiki plus 4. Enfin, j'en ai, logiquement. Mais des fragments, si vous voulez. Mais je sais pas si on peut les voir ici. Mais non, mais je sais pas où c'est, les amis, ça m'étonne, franchement. Bref, mais j'en ai, les amis, c'est des fragments. Bon, les amis, cette vidéo dure déjà depuis un peu moins de 25 minutes. On va se laisser, nous. C'était Supraworld. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vos proches. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Allez, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.